On se tenait à l'affût tout au long du chemin de Jérusalem à Jéricho. On a attaqué un juif qui voyageait seul. On l'a forcé à descendre de cheval, on lui a pris son argent et tous ses vêtements. Il se débattait, alors Dishon a commencé à le frapper. La tête du juif a heurté une pierre. Moi, je me suis dit qu'il devait être mort. Dishon, lui, était censé prendre ses vêtements pour les vendre à un usurier à Anatote. Moi, je devais remonter vers le nord, vendre le cheval à un avant-poste romain. Mais au bout d'à peine 10 minutes, le cheval s'est cabré. Je suis tombé et je me suis cassé la jambe. J'ai réussi à me traîner à plat ventre à la force de mes bras pour arriver à la ville la plus proche et supplier qu'on me ramène à Sicar, encore plus mal en point qu'avant. Voilà, maintenant tu sais qui tu as aidé. Tu sais quel genre d'homme tu as aidé. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à ce pauvre juif. Nu comme un ver et seul, sur ce chemin sûrement mort. Je suis peut-être un assassin. Non, il n'est pas mort. Quelqu'un est arrivé et l'a secouru. Comment tu le sais ? Je le sais. C'est tout. Je peux t'assurer que cet homme n'est pas mort.